C'est bon. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce conseil municipal de rentrée. Avant de procéder à l'appel, on a deux malades dans nos rangs, Christophe Méchouk et Philippe Ducournage. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le variant. Alors, on est dans quel variant aujourd'hui, parce que ça varie en permanence. Hein, donc, hein. Et puis, alors, oui, on a aussi Robert Baratet, hein, qui a été normalement opéré ce matin. Donc, dès qu'on aura des nouvelles, on fera passer un peu des nouvelles de sa santé. On l'a vu samedi au stand des pêcheurs. Donc, il avait bon moral. Donc, j'espère qu'il l'a toujours après l'opération. Et on donnera des nouvelles dès qu'on en aura. Voilà. Donc, je vais procéder à l'appel. Grand Jean-Jacques, présent. James Walker. Présent. Godet Christel. Présent. Guédon Éric. Présent. Giraud Dominique. Pascal Hénard Machet. Présent. Alexia Lerouillet. Présent. Georges Barthes. Présent. Sylviane Degnaud. Présent. Valérie Merlacourt. Robert Baratet, donc pouvoir à Pascal Hénard Machet. Marie-Claude Girardeau, pouvoir à James Walker. Tournier Gilles, pouvoir à Jacques Grandchamp. Grobel Bernadette. Méné Julien Marc, donc s'il ne nous rejoint pas, pouvoir à Nelly Dufour, donc jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. Debout Jonathan doit nous arriver, il m'a indiqué qu'il aurait un contre-temps et terminé consultation. Raphaël Valérie, même situation, si elle est absente, le pouvoir est donné à Georges Barthes, donc s'il ne nous rejoint pas, c'est Georges Barthes. De Curnage Philippe, pouvoir à Éric Guédon. Grobel Françoise, pouvoir à Sylviane Degnaud. Dufour Nelly. Claude Deschanier-Mottet, Coulombel Jérémy, pouvoir Alexia Lerouillet, Commandant Dominique, pouvoir Bernadette Grobel, Giglet Elisabeth, Sigvald Claude, Perrault Brigitte, pouvoir à Claude Sigvald, Dagan Jean-Marc, Méchouk Christophe, pouvoir à Jean-Marc Dagan, hein, donc je le note comme ça, et Noël Duvent. Merci, donc le quorum étant atteint, on peut procéder valablement à cette nouvelle édition du conseil municipal de rentrée. Alors, on va procéder évidemment au départ à la désignation d'un secrétaire de séance en l'absence de Robert Baratet. Je propose que Bernadette Grobel assure le secrétariat de séance. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'abstention, pas de contre. Donc, bravo Elisabeth. Bernadette, il y a eu un miracle, je ne sais pas où ça s'est passé, mais bravo Bernadette. Et puis, on passe donc à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 juin 2023. Vous avez tous reçu donc l'édition de ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des observations, des questions ? Pas d'observations, pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ok, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je donne la parole à Éric Guédon pour nous faire le point sur les délégations. Vous avez donc le tableau complet des délégations. Éric ? Merci. Oui, vous avez l'état des délégations sur deux pages. Donc, juste vous rappeler trois points, les travaux importants qui ont été faits et qui sont en cours. Donc, il y a le cimetière de Publié. Donc les travaux sont en cours, ça va normalement se finir mi-octobre, début novembre. On a aussi la cuisine de l'école Simone Veil qui a été complètement rénovée. Et enfin, on a bien sûr la rue du Belvédère, la rue de Publié, où les travaux doivent commencer, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc voilà, si vous avez des questions sur les états des délégations, je suis disponible. La dernière fois, lorsque tu nous avais présenté les travaux qu'il y avait à faire, tu nous avais dit que pour remonter d'Amphion, vous alliez marquer au sol la piste cyclable. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de piétons et ils prennent cette sorte de trottoir. Comment est-ce que vous pensez... c'est une remarque qui est peut-être un peu difficile parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de marcher sur cette route. Mais comment est-ce que vous allez faire un marquage au sol, une séparation ? Alors, ce qui est bien, c'est que je te pose la question et derrière, ça fait comme ça. Donc, j'ai ma réponse.
Alors, bien sûr, donc on a dû casser le trottoir, déplacer les poteaux d'éclairage public, parce qu'à l'époque, bah, ils avaient mis les poteaux sur le trottoir. On a eu de la chance parce qu'on a été sur le foncier communal, donc on a pu déplacer les poteaux sans demander l'accord des propriétaires. Donc on a pu gagner du temps. Là, maintenant, tout est fait. En fait, il y a une partie aussi de la piste cyclable. On n'a pas continué jusqu'à le virage du Crochet, parce qu'on attend que le virage soit fini pour relier les deux. On a dû aussi enlever un passage piéton qui était en face de la source Soriane pour pas que les gens aillent sur cette piste cyclable, bien entendu. On a dû recréer un nouveau passage piéton pour que les trois maisons puissent traverser la route pour aller au Moloch en face, à côté de la source Soriane. Et ta question est très bonne. On devait faire le marquage cette semaine, lundi exactement, mais vous avez pu voir le temps hier qui était déplorable. Donc, en fait, on fait du marquage au sol plus de la résine pour bien marquer que les piétons sont interdits sur cette piste cyclable. On a déjà mis les panneaux. Donc, vous pouvez voir, c'est des panneaux bleus, cercle bleu. Donc, c'est priorité vélo. Les piétons n'ont pas à aller sur cette piste cyclable. Et quand le virage du Crochet est fini, ça va être merveilleux. Donc, si je me souviens bien de ton explication la dernière fois, au virage de Crochet, il n'y aura pas de continuité parce qu'il n'y a pas la possibilité. Là, il me semble que tu nous avais dit que après Crochet, on tourne, on prend la petite route et on va sous le pont vers Feu Vert. Vous ne pouvez pas continuer la piste cyclable sur la route actuellement, puisque de chaque côté, une fois que tu es à Crochet, tu n'as pas de possibilité. Oui, alors on a pris un parti parce qu'en fait le problème c'est que si on veut relier le chef-lieu à Amphion Village, en fait il y a le pont SNCF qui est impossible à traiter. Pour avoir les accords de SNCF, il faut 15 ans de procédure. Donc nous on veut aller vite pour relier les deux pôles de la commune. Donc en fait le virage du Crochet il va être complètement refait. Il y aura les piétons qui vont être au-dessus du mur actuellement, donc ils vont marcher sur le mur. Sur 1,50 m de large, et où aujourd'hui les piétons traversent, où c'est très dangereux, c'est là où il y aura la piste cyclable. On va faire une bordure pour les protéger, les vélos. Après, les vélos vont direction le verger, la rue des Moulins, bah, ils traversent le pont SNCF, et après, ils arrivent où il y avait l'hôtel des Tilleuls. Et l'hôtel des Tilleuls, c'est là où il y a le projet du PUP, dans la logique, et il y a le futur collège. Donc on va être très malin. C'est que quand on va tout refaire la voirie, quand il y aura le futur collège... Oui, pardon. Ah, pardon. Je suis un peu... Non, mais je suis tellement content de ces travaux, parce que c'est la première piste cyclable. Voilà, mais je suis à fond. Et là on pourra relier le chef-lieu au futur collège, et aussi grâce à la traversée de la rue de la Plaine, route départementale, grâce aux travaux qu'on engage au mois de novembre, on pourra aller jusqu'à la cité d'eau, la plage, c'est-à-dire que les personnes... qui habitent au chef-lieu pourront descendre en toute sécurité jusqu'à la cité de l'eau, dans moyen long terme. Retrouveront la Via Rona. La Via Rona, rue des Hutins, rue des Genevries. Ouais. Voilà. Donc en fait, là, on est en train de créer le premier schéma directeur de mobilité douce sur la commune de Publié. Bien, on reprend le cours du conseil. Avec la première délibération d'administration générale, c'est la modification de la délibération portant désignation d'un référent déontologue des élus. Je vous rappelle que nous, on a voté, c'était le 9 mai 2023, hein, pour retenir M. Jean-Olivier Vieux, référent déontologue des élus de la commune. Il faut que nous complétions cette délibération pour préciser la durée de la désignation, les modalités de saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Et enfin, les conditions de rémunération. C'eût été bien qu'on ait eu tout ça avant la première... Bon, mais bon, on régularise. Je vous rappelle donc qu'on a fait le choix, je vous avais proposé, vous avez voté à l'unanimité le choix de Jean-Olivier Vieux, hein, qui est vraiment une personnalité de la magistrature française. Je rappelle encore une fois, procureur général à Lyon, un des principaux protagonistes du procès Barbie, est donc très impliqué, membre du Conseil supérieur de la magistrature, très impliqué dans tout ce qui touche à la justice, bien sûr, mais aussi un Savoyard, un vrai Savoyard, et un historien de la Savoie. Donc, ça fait beaucoup de qualités.
Et comme je m'honore de l'avoir comme ami depuis plus de 15 ans, donc ça tombe bien. Voilà. Mais je pense que la CCPVA, l'intercommunalité, a choisi aussi Jean-Olivier Vioux, comme la plupart des collectivités locales. Donc vous avez pu voir hein, les éléments sur sa désignation, la durée de son mandat, les modalités de saisine, les modalités de délivrance du conseil et sa rémunération, hein, qui n'est pas une rémunération somptuaire. Oui. Est-ce que c'est à la même hauteur que celle qui a été votée hier soir au conseil communautaire? Ok. Donc, tout à fait. Je veux dire, ouais. 80 euros, pardon. Ouais. 80 euros, oui. Donc, on est d'accord. Donc, les choses sont extrêmement claires et bien encadrées. Est-ce que ça suscite des questions, des interrogations? Bien, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, la désignation des membres représentant la commune de Publié de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. La CLECT, alors pour ceux qui sont au conseil communautaire connaissent parfaitement la CLECT. Au niveau communal, je rappelle que c'est une commission qui a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences aux EPCI, entre les communes et les EPCI. Donc c'est quand même une commission qui est très importante, hein, parce que c'est elle qui définit la participation budgétaire des communes et les retours. La commune de Publié dispose de 2 postes de titulaires à la CLECT, qui doivent être renforcés par 2 postes de suppléants. Donc les 2 postes titulaires de la CLECT aujourd'hui sont détenus par James Walker, qui a pris la présidence de la CLECT il y a combien maintenant, un mois et demi ? 2 mois, et Claude Siegwald, hein, qui sont membres titulaires. Selon l'article L2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret pour procéder à cette désignation de poste de suppléant. Hein, est-ce que je vous pose la question, est-ce que le conseil municipal souhaite procéder à un vote à bulletin secret? Donc je vous propose de voter sur cette désignation, vote à main levée. Et je demande donc qui aujourd'hui se porte volontaire, hein, pour devenir les membres titulaires. Rappelez nos 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Pour les membres titulaires, donc James Walker, Claude Siegwald, sans surprise. Ensuite, donc, alors on va peut-être passer d'abord au vote sur les titulaires. Je rappelle James Walker, Claude Siegwald. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, voté à l'unanimité pour les 2 membres titulaires. Pour les membres suppléants, qui est candidat? Donc, Jean-Marc Dagan, Georges Barthes et Éric Guédon. Alors, combien de voix pour Jean-Marc Dagan? Qui vote pour Jean-Marc Dagan? 4, 5, 6. On a bien pris tous les pouvoirs. 6. Ça fait ça, c'est 6. Hein, oui, c'est ça. 7, oui, pardon. Oui. 7 voix. Pour Georges Barthes. Bon, alors, on fait le décompte des voix. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et moi-même, 21. 21 voix. Pour Éric Guédon, on va retrouver le même nombre de voix, j'imagine. Éric Guédon, une voix de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non, c'était 20 voix pour Georges Barthes et 21 pour Éric Guédon.
Bien, je rappelle donc le résultat de ce vote. Membre titulaire, James Walker, Claude Siegwald, suppléant, Georges Barthes, Éric Guédon. Je vous remercie pour le vote. Délibération suivante, l'approbation d'un règlement intérieur pour les activités extrascolaires de l'École municipale des sports. Donc Dominique nous rapporte cette délibération en venant surtout sur ce qui la différencie de la précédente. Excusez-moi d'intervenir, mais il faut affecter les suppléants à un titulaire. C'est une obligation, mais on est. Non, mais on le mettra dans le PV, oui. D'accord ? Oui, c'est plus précis. Simplement pour dire qu'on le mettra dans le PV. Donc, qui est le suppléant de James Walker et qui est le suppléant de Claude Siegwald ? Je propose que M. Guédon soit mon suppléant. Et si tu en es d'accord, ça te va, Claude ? Donc, Georges, suppléant de Claude. Donc, ça sera écrit de cette façon, que ça soit bien, bien clair. Et on transmet à l'intercommunalité, hein, comme ça. OK. Donc, je reviens sur la délibération du règlement intérieur pour les activités extrascolaires. Donc, Dominique, si tu peux nous faire le point de ce règlement qui existait, donc surtout les nouveautés de ce règlement. Oui. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est le même règlement. Mais simplement, on a voulu mettre en lumière, parce qu'on a eu quelques petits soucis lors de la précédente saison. Donc, c'était pour spécifier, pour rappeler aux parents comme quoi il existe un règlement et qu'on aimerait bien que les gens le respectent. De un, pour les horaires, et de deux aussi, c'est pour quand il y a des enfants qui sont assez perturbants et qui ne respectent pas le personnel aussi encadrant de la Cité de l'eau et du centre sportif. Donc c'est aussi un peu pour rappeler que ce règlement existe et puis qu'on va bien le mettre en application pour les prochains mois et prochaines années, quoi. Donc voilà. Et puis on l'a fait aussi en collaboration avec peaufiner un petit peu aussi avec le service scolaire. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, si vous voulez délibérer. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Elisabeth. Tu dis qu'il n'y a pas eu grand-chose. Alors du coup, forcément qu'il y a quelque chose, puisqu'autrement, je pense qu'on ne le revoterait pas. Ça, c'est mon esprit de synthèse. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les enfants... Alors, ne vois pas dans mes questions des questions pièges. C'est tout simplement, est-ce que les enfants qui vont maintenant à l'école municipale des sports... Est-ce que les enfants, c'est plus difficile ? Est-ce que vous avez eu des problématiques sur lesquelles le règlement ne pouvait pas répondre ? Est-ce que vous avez mis des réponses à la difficulté que les enfants vous apportent ? Je sais pas, est-ce que j'ai été claire ? Dans ma tête, c'était clair, mais est-ce que vous l'avez compris ? Est-ce que le règlement que vous avez durci était nécessaire par rapport au comportement des enfants ? Voilà, je me doute bien. Alors, on ne l'a pas durci, on veut simplement mettre en avant comme quoi il existe un règlement. Parce qu'il y a certains parents qui nous ont dit que ça n'existait pas et qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc voilà, c'était simplement ça. Donc effectivement, on a eu quelques soucis avec, je crois, deux ou trois élèves où ils n'ont pas du tout respecté et puis perturbé les autres élèves. Et à un moment donné, le personnel a dû convoquer les parents pour un peu avertir, et puis voilà. Mais il n'y a pratiquement rien qui a changé, voire même pas du tout, si ce n'est la date. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Pas tout à fait. Si tu dis que tu as changé la date, c'est un peu léger. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous n'auriez pas l'intérêt, quand les enfants s'inscrivent, je sais que ça se passe comme ça maintenant dans certaines, dans les écoles, on leur fait lire et signer le règlement intérieur. Est-ce que, parce que je connais les difficultés qu'il peut y avoir, souvent on dit, y a un règlement intérieur, les parents ne l'ont pas lu, les enfants non plus, et peut-être que signer le règlement intérieur pourrait être une bonne solution. Alors on a ce problème récurrent pour toutes les associations.
soi-disant qu'ils signent les règlements, qu'ils le lisent, les parents, les élèves et tout. Et en fin de compte, à chaque fois quand on a des petits soucis, que ce soit n'importe quelle association ou même dans le cadre de... Il y en a beaucoup qui se défaussent et bon, malencontreusement, ils n'ont pas regardé bien comme il faut le règlement. Donc, voilà. Oui, moi, je souscris à ce que dit Elisabeth. Ce serait une bonne pratique qu'ils signent une charte de bonne conduite, hein, comme on le fait dans beaucoup d'autres cas. Hein. Et, oui, mais je crois qu'il y a un grand débat aujourd'hui sur l'éducation nationale et sur la difficulté. Donc, je pense qu'il faudrait revenir à certains fondamentaux, et ça, c'en est un. C'est-à-dire, à la rentrée, faire signer aux parents aussi un code de bonne conduite, hein, pendant la scolarité. Ouais. Parce qu'à la rigueur, quand tu as signé cette charte, c'est que tu, même si tu ne l'as pas lue, c'est à la rigueur pas le problème, c'est que tu l'as signée, et si tu l'as signée, bah, tu t'impliques et tu prends... Après, les décisions sont plus, sont plus simples. En tout cas, plus facile à prendre parce que tu l'as signé, ça veut dire que tu l'as lu. Si on signe quelque chose, c'est qu'on a pris contact, on a pris connaissance et acte et en le signant. Donc voilà, c'est juste. Mais je sais la difficulté qu'il peut y avoir. Voilà. Juste une chose, quand tu as un enfant qui a un petit problème psychologique ou quelque chose de genre, est-ce qu'on est en droit de le signer, de le faire signer? Ça. Oui, non, mais c'est-à-dire que dès qu'il est accepté à l'école, ça veut dire qu'il doit avoir un comportement, à part si vraiment, on le sait dans les écoles, et je pense qu'Alexia doit le savoir, il y a des enfants qui ont des problèmes particuliers. Et donc, évidemment, on ne peut pas demander, par exemple, à un enfant qui a une trisomie d'avoir un comportement qui pourrait être adaptable. Mais pour des enfants qui ont des problèmes de comportement, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de comportement psychologique ou psychiatrique. Là, c'est autre chose. Mais ça, c'est les parents qui signent. Après, on sait bien que si l'enfant a un handicap, c'est compliqué de faire. Mais en tout cas, c'est aux parents, parce que j'espère qu'ils sont au courant qu'ils ont un enfant qui a des problèmes. Mais tu signes et tu le comprends, normalement. Alors, bon, aujourd'hui, il s'agit d'approuver le règlement. Hein, mais sur les modalités, oui, je suis assez d'accord sur cette approche de la chose. Et je rappelle qu'on a aussi, on dispose d'un outil maintenant qu'on a déjà utilisé. Hein, c'est le rappel à l'ordre. Hein, donc, nous, on a signé une convention avec le procureur de la République et on a fait au moins deux rappels à l'ordre. Ouais, mais un pour un enfant, puis c'était plutôt les parents. Bon, voilà. Donc, voilà. Après, on connaît les limites de tout ça aussi. Hein. Bon, mais oui, je crois que ce serait pas mal d'avoir la procédure de signature de la charte. Ouais. Dans une autre vie, quand nous étions très jeunes, il me semble qu'on signait des choses à la rentrée scolaire. Ça a été perdu de vue un peu par l'éducation nationale. Ça serait peut-être bien de le remettre au goût du jour, effectivement. Merci. Je vous soumets donc au vote. Juste pour faire une petite précision, pour répondre à Mme Giglet, en fait, on a eu très peu de problèmes l'année passée sur l'école municipale des sports. On en parle beaucoup avec les écoles. C'est pour ça qu'on en a échangé toutes les deux avec Dominique. Parce que généralement, les enfants... où il y a problème, en tout cas à l'école municipale des sports, on retrouve les mêmes sur le temps scolaire. D'où l'intérêt d'avoir ce règlement, c'est aussi pour pouvoir cadrer, que nos agents aient un support, en tout cas, pour pouvoir s'appuyer. Et effectivement, dire aux parents, attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le cadre scolaire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un engagement qui est pris, il y a des valeurs à respecter. Donc, c'est l'intérêt, en tout cas, de border un petit peu plus le règlement pour qu'il soit un peu plus précis avec une procédure. On a eu un souci particulier l'année dernière qui a demandé, en tout cas, réflexion sur pour refonder un petit peu, en tout cas, le règlement. Mais ça reste quand même à la marge et heureusement. Voilà. Mais c'était à la demande des agents qui nous ont demandé, en tout cas, d'avoir quelque chose d'écrit pour pouvoir mettre sous le nez des parents quand le job n'est pas fait à la maison. Voilà. Merci pour ces commentaires. Je soumets donc au vote ce règlement intérieur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur une autre délibération qui est assez classique aussi. C'est l'ouverture des commerces de détail. Et là, c'est le problème du dimanche 31 décembre 2023. Pascal ?
Oui, bonsoir. Je reviens simplement parce que c'est une délibération qu'on avait prise l'an dernier, donc en temps et en heure, mais on a été confronté à un petit souci sur les commerces de vêtements et les commerces alimentaires. Sachant que le dimanche matin, on avait pris la disposition de dire ils sont ouverts le dimanche matin, donc pourquoi autoriser les commerces alimentaires de rester ouverts toute la journée? Mais il s'avère qu'on a été rappelé par nos commerces alimentaires en nous disant, mais oui, mais nous, jusqu'à 19h, on souhaiterait rester ouverts parce qu'on aura des activités jusqu'à 19h. Donc on revient juste sur ce point-là. Donc je vais me permettre de vous lire le motif. Dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Le nombre de dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante par décision du maire, après avis du conseil municipal et des organisations d'employeurs et des salariés intéressés. Elle peut être modifiée, donc ce qui est le cas, dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. La liste des dimanches a fait l'objet d'un arrêté du maire en date du 6 décembre 2022, après avis du conseil municipal par délibération donc du 28 novembre 2022. Certains commerces alimentaires de la commune ont sollicité l'autorisation d'ouverture le dimanche 31-12 toute la journée, en plus des dimanches déjà autorisés, donc à partir du 26 novembre. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des questions, pardon, ou j'ai été suffisamment clair? Il n'y a pas grand sujet à question. Je vous donc propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je redonne la parole à cette fois à Alexia pour le compte de réservation des places de crèche avec la société Léa Léo. Oui, dans le cadre de la politique petite enfance, la commune est signataire d'un contrat de réservation des places de crèche à hauteur de 9 persos auprès de la société Léa et Léo au sein de la crèche Les Petits Princes située rue des Châtaigniers. Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2023. La commune ne possédant pas de crèche municipale, ce contrat permet aux familles bulgariennes de bénéficier de 9 persos en faveur des 0-3 ans. Le coût de cette prestation pour l'année 2024 est de 12 575,94 € par perso et par an. Le conseil municipal est invité à renouveler le contrat de réservation de place de crèche sur la même quantité de verso et à autoriser M. le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions? Elisabeth, oui. Je voudrais faire remarquer que c'est un gros investissement de la commune, ces places de verso. Vraiment, c'est important. Je me rappelle que quand on avait commencé, c'était 10 000 euros la place, donc il y a une augmentation de 2 500 euros par place. C'est quand même énorme pour une commune. J'aimerais savoir, Alicia, c'est vous qui avez repris les réservations des places de crèche, c'est plus le CCAS maintenant. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir le règlement des attributions de places de crèche? Comment est-ce que vous attribuez des places de crèche au PULIR? Micro. C'est un document qu'on a, qui était déjà établi par le CCAS de l'époque. On l'a remodifié en tout cas pour essayer de coller au plus juste, en tout cas avec les attentes de la municipalité aujourd'hui. Alors c'est un document qui est interne, qui n'a pas vraiment de valeur juridique, si ce n'est entre nous. La commission est attribuée avec plusieurs membres. On s'est réunis le 4 mai, on étudie effectivement tous les dossiers, on est resté sur le même barème, enfin le même système de points pour les attributions. On a effectivement juste modifié quelques points. Si ce n'est le genre des enfants que j'ai demandé à enlever, pour savoir s'il s'agissait de garçons ou de filles, de pouvoir enlever tout ce qui était susceptible d'identifier les parents par leur profession pour ne favoriser personne. Voilà, en gros, c'est les seules grosses modifications qu'il y a eu. Je comprends, mais du coup, sur quels critères les choisissez-vous ces enfants? C'est vrai, alors, s'il y avait des erreurs de travail. Est-ce qu'il y a toujours un tarif préférentiel pour les petits revenus? Et quels sont vos critères de choix? Les critères de choix, on a mis aujourd'hui les deux parents qui travaillent quand possible, les mamans célibataires. Il y a tout un tas de critères, alors je les ai plus tous en tête, on a aussi le handicap des enfants qui est pris en compte, les fratries, il y a tout un listing, et en fonction de ça, effectivement, il y a un barème de points qui est attribué derrière pour faire le choix.
Alors, on a de la chance, hein, jusqu'à présent, mais encore jamais tombé sur des enfants qui arrivent avec un même nombre de points. On doit trancher. Aujourd'hui, c'est quand même assez clair, sachant qu'on a, là, pour cette commission, on a eu 47 dossiers à étudier pour 5 places. Donc effectivement, le barème de points prend toute son importance parce qu'on voit qu'il y a peu de choix. Est-ce que vous pourriez nous fournir, parce qu'il n'y a rien de secret, on n'a pas besoin de savoir les places que vous attribuez au nom des enfants, c'est pas ça. C'est juste les critères d'attribution. Si c'est ceux que l'on avait mis en place, je m'en souviens, mais est-ce que il y a des. Ça serait peut-être intéressant que l'on puisse qu'il soit mis dans le compte rendu du prochain conseil municipal, qu'on puisse savoir quels sont les critères. On peut simplement être destinataire. On peut être simplement être destinataire, liste d'opposition, comme vous soulignez, être destinataire de toutes ces commissions, tout simplement. Sachant que je voulais, ne vous faites pas de soucis, c'est pas parce qu'on veut inscrire nos enfants. Merci de cette précision. Mais oui, Noël, il n'y a pas de problème. Donc, vous serez destinataire de cette commission. Oui. C'est juste pour quand on nous pose des questions, c'est même si on est d'opposition, on nous pose des questions. Oui, tant qu'il sourit en disant, mais quand même, on nous pose des questions. Et c'est important et de pouvoir dire aussi si on est d'accord ou pas d'accord. Après, évidemment, les jugements de valeur n'ont rien à voir là-dedans. C'est tout simplement, on le sait bien, quand on décide d'un dossier, que c'est important qu'on puisse avoir toutes les informations. Merci. On peut même aller jusqu'à ce que un membre de l'opposition participe à la commission. Il y a Jean-Marc. Jean-Marc Rien. Il est au CCA. Ah, c'est pas scolaire. Ça peut être. C'est pas scolaire. Donc, ça serait plus à Noël. J'ai pas été convaincu. Eh bien, nous allons y remédier. Oui, parce qu'en fait, elle ne fait pas partie des commissions officielles. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas ce loisir-là de pouvoir mettre. En tout cas, de faire ça de façon officielle. Mais oui, j'ai une possibilité qu'on peut étudier, pas de problème. C'est tout simplement, hein, ne voyez pas ça comme une prise de pouvoir ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour que nous, on ait des bonnes informations et qu'on veut donner la bonne information, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'on peut maintenant passer au vote sur cette délibération. Donc on prend acte hein, que l'adjuvant sera associé à la prochaine commission. Et donc je vous propose de vous prononcer sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qui est un peu comme celle de la CLECT. La nécessité de désigner un membre suppléant représentant la commune de Pouillé à l'APIEM, l'association de préservation de l'impluvium des eaux des Viands. Hein, donc, je rappelle que l'APIEM, c'est une association qui est donc issue d'un partenariat public-privé. Donc, la partie publique, bah, c'est les 13 communes. Hein, donc, il y a les communes émergentes, que sont Neuf-Selles, Lugrin et Vian, Pouillé, Marin et Maxilly, et les communes de l'impluvium, du plateau. Que sont Saint-Paul, Féterne, Champange, Laringe, Vinziers, Tholon et Bernex. La partie privée, évidemment, c'est la Société anonyme des eaux minérales des Viands. Donc les 13 communes sont représentées au sein de l'association de droit, de plein droit, hein, par leur maire. Depuis 1933, l'APIEM se traduit par un engagement collectif qui permet de concilier la préservation de l'environnement et les ressources en eau minérale et potable avec le développement économique et touristique de tout un territoire. On est dans le cœur du débat global aujourd'hui hein, qui nous anime hein, sur la préservation de l'environnement, sur la nécessité de revitaliser aussi les territoires hein, tout en préservant l'environnement, c'est pas toujours facile. L'APIEM, c'est aussi la prise en compte des préoccupations surtout des communes du plateau. Elles sont au cœur du sujet parce qu'elles sont sur l'impluvium. On a une exploitation de l'eau, donc c'est légitime que ces communes aient un retour hein, sur les bénéfices de cette exploitation de l'eau hein, et qui
qui débouche sur les communes émergentes. Donc il y a un retour, un juste retour au profit des communes du plateau. Donc nous avons modifié les statuts de la PIEM le 25 juillet 2023. Je rappelle que le précédent président de la PIEM, c'était Jean-René Bourron, qui est malheureusement décédé en début d'année. Donc on a procédé à l'élection d'un nouveau président. Aujourd'hui, donc, c'est Renato Gobert, le maire de Champange, qui est président de la PIEM. Et on en a profité pour retravailler le statut, parce qu'il date déjà d'un certain temps. Et puis avec l'expérience, toutes les communes autour de la table se sont dit qu'il faut qu'on revoie quand même l'organisation et le fonctionnement de la PIEM. Donc on a déjà décidé de supprimer un poste de vice-président. Donc il y a un président et un vice-président. Je suis aujourd'hui, moi, le vice-président de la PIEM. Donc il y a aussi le président. Traditionnellement, on fait en sorte que le président soit un représentant des communes du plateau, ce qui est quand même légitime, bien sûr. Et par définition, le vice-président est un représentant des communes émergentes. Donc les élections qui ont eu lieu en juillet ont désigné Renato Gobert président et moi-même vice-président. On a retravaillé le bureau, en particulier le secrétariat est assuré évidemment par le contributeur public, privé, pardon, la SMME, parce que historiquement la SMME est depuis toujours à la fois à l'origine mais aussi à l'accompagnement de cette association. Et puis on a désigné un trésorier qui est aujourd'hui Justin Bozonnet, puisque jusqu'à présent on avait une comptable, enfin on a désigné un comptable, un trésorier, qui était Madame Bocard, qui malheureusement est aussi confrontée à des problèmes de santé. Donc on prend le relais et on s'est réorganisé. Dans le même temps, on est en train de revoir le fonctionnement de la PIEM, donc un bureau qui se réunira beaucoup plus fréquemment, qui rédigera des comptes rendus de ces réunions à destination de tous les maires, des 22 maires de la PIEM. Parce que là aussi, il y avait le sentiment que tout se faisait un petit peu comme ça, de façon confidentielle. Non, là, on parle vraiment sur un fonctionnement classique d'une association et donc les conseils d'administration. Aujourd'hui, on doit procéder à la désignation d'un suppléant pour chaque commune, en cas de puisque c'est le maire qui est de plein droit est membre de la PIEM, mais en cas d'absence du maire, il faut un suppléant. Donc je vais procéder comme tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez que nous passions un vote à bulletin secret? Non. Donc, nous allons procéder à un vote à main levée, et pas à main secrète, à main levée. Qui est candidat? Est-ce qu'il y a des candidats pour la suppléance? Il n'y a pas d'autres candidats. Donc je vais céder maintenant la parole à mon adjoint pour procéder au vote, puisque moi-même étant vice-président de la PIEM, je vais me retirer tel un prince dans mes terres et je reviendrai vous rejoindre dès que le vote aura été réalisé. Merci. Étant candidat, je vais vous le dire, quelqu'un d'autre va poser la séance. Le deuxième adjoint. Voilà. Donc, on se retire. Non, je suis candidat à c'est vrai. Je me retire. Il faut que je puisse la. N'oubliez pas de me rappeler. On est tous sur les dents. Bien, donc pour James Walker, qui est contre. Non, qui est pour? D'accord. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jean-Marc Dagan, qui est pour? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est tout bon, 6 voix. Monsieur Walker était bien.
Merci beaucoup. Excusez-moi de ce suspense insupportable. Merci beaucoup pour cette élection brillante. Bien, merci. Félicitations à James pour cette désignation, cette élection. Nous passons maintenant aux ressources humaines avec la modification du tableau des emplois. C'est un grand classique chaque année. Hein. Chaque année, donc, la collectivité doit faire état de ses propositions d'avancement de grade ou de promotion interne pour ses agents. En conséquence, des choix effectués en 2023, il est proposé au conseil municipal de modifier plusieurs emplois existants en ajoutant les grades correspondants à compter du 1er janvier 2024, afin que l'impact financier évidemment soit pris en compte pour la constitution du budget 2024. Je vous invite donc à approuver la modification du tableau des emplois tel que présenté dans la note de synthèse. Est-ce que cette note de synthèse soulève des questions? Oui, Noël. On pourrait avoir des explications sur les catégories, parce que sur certaines catégories, il y a B en gras et C en simple. Ça correspond à quoi? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui est concernée? Oui. Alors pourquoi? Alors, c'est le poste assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques territoriales, ou assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques principales de deuxième classe, ou assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques première classe. Donc ça concerne a priori un seul agent, et ce serait l'agent de catégorie B. C'est pas ça, c'est. Non. Donc à chaque fois c'est ça. Hein. Après sur le poste de centre sportif en hôtel, c'est un catégorie C. Oui, non, mais les autres. Les autres, donc voilà. Donc pour la filière culturelle, on est passé. On a fait évoluer le poste en catégorie B. Et par contre, on a le dernier aussi. Oui. Donc là, ingénieur, attaché, rédacteur et rédacteur principal, donc c'est pour le responsable informatique, même chose. Donc on est sur un potentiel de A et B. A étant ça serait le chef de service. Donc, et B, c'est le deuxième poste. Il y en a qu'un poste. Oui, il y a qu'un poste. Mais il y a un poste, ça serait le poste de responsable du service informatique, qu'on passe en catégorie A. Jusqu'à présent, ou B. On a un recrutement. Ah, vous avez un recrutement, c'est pas de l'interne. C'est sur un recrutement. D'accord. C'est vrai. Donc, ce sont des postes quand même qui sont assez compliqués à honorer. Hein, donc, on n'a pas voulu se limiter strictement à A. Mais encore une fois, voilà, on fait vraiment attention maintenant à ce que tous les chefs de service, à terme, devraient être des catégories A. Donc ça, c'est une chose qu'on remet en place et en vigueur, de toute façon, parce que là aussi, il faut qu'on accompagne nos agents dans leur développement de carrière. Et moi, j'essaye de les encourager aussi à la mobilité. C'est évident, parce que les progressions de carrière, elles se font rarement dans une seule collectivité. Hein. Donc, et c'est pas souhaitable d'ailleurs, il faut aussi que de temps en temps, ça se régénère tout ça. Donc voilà, c'est le but de cette modification qui vous est proposée. Du tableau des emplois. Donc ça porte, pour l'essentiel, sur les nouveautés, c'est sur le poste informatique et sur le poste de la médiathèque. Est-ce qu'il y a d'autres observations, questions sur cette modification du tableau des emplois? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Parole à Georges Barthes pour évoquer donc un point important, l'approbation de la modification numéro 4 du PLU. Je rappelle qu'il y a deux procédures, celle de la modification simplifiée et celle de la révision, que les deux peuvent se conduire concomitamment, ce qui se passe, mais là on est maintenant au terme de la partie la modification simplifiée. Georges. Oui, donc ce plan local d'urbanisme, cette modification du plan local, du PLU, est partie d'une certaine ambition, et aussi bien le sous-préfet que la DDT ont un petit peu rabattu nos ambitions, fait que notre projet est un petit peu raboté et devenu plus modeste. Le plan local d'urbanisme a été révisé le 30 janvier 2017.
La ville bénéficie d'une dynamique territoriale forte et connaît des mutations urbaines et démographiques importantes. Après plus de 5 ans d'application du PLU actuel de 2017, il est apparu que la portée réglementaire du document n'était pas totalement adaptée au contexte territorial, tout évolue, et aux enjeux portés par les nouvelles dispositions en vigueur, notamment en matière d'environnement et de développement urbain. En outre, certains projets structurants pour la ville nécessitaient des ajustements ponctuels. Pour répondre à ces différents enjeux, une procédure de modification du PLU a été engagée dans l'attente de la révision du document d'ores et déjà initié. Elle a été démarrée peu de temps après le lancement de la modification. Les principaux objectifs poursuivis étaient les suivants. Création d'un STECAL, donc heureusement vous avez le nom exact, secteur de taille et de capacité d'accueil limité, en vue d'accompagner la demande d'extension formulée par l'association Pousse d'Avenir sur le Haut-Puy. Création de 2 orientations d'aménagement et de programmation, des OAP ont été créées dans 2 secteurs stratégiques de la commune, chef-lieu et ancien hôtel pour séjour, afin de pouvoir mieux y encadrer l'urbanisation, assurer l'intégration des nouvelles constructions au sein d'un bâti existant et accompagner l'élaboration des projets structurants. Ensuite, protection du patrimoine architectural et paysager. Il est apparu nécessaire que le PLU mette davantage l'accent sur la qualité environnementale et l'intégration paysagère de l'urbanisation, ainsi que sur la protection des cônes de vue, des perspectives et éléments d'intérêt architectural et paysager. Il y a aussi quelques légères modifications du règlement graphique et écrit et mise à jour des emplacements réservés. Afin de faciliter l'instruction, des autorisations d'urbanisme, quelques améliorations du règlement ont également été apportées à l'occasion de cette modification en vue de préciser ou de clarifier certains articles. De même, des emplacements réservés ont été mis à jour. Alors, nous travaillons avec une société qui nous aide, qui s'appelle VE2A, qui a déjà travaillé avec nous et qui travaille avec nos voisins. Modalité et principe de la concertation. Conformément aux articles L153-11 et L103-2 du Code de l'urbanisme, l'ensemble du public, habitants, associations locales, a été associé à la procédure en étant en mesure de prendre connaissance du projet et d'exprimer ses opinions et avis. La concertation s'est effectuée selon les modalités suivantes. Les documents ont été tenus à la disposition du public au service technique pendant toute la durée de la procédure. Le public a pu en prendre connaissance au jour et heure habituel d'ouverture de la mairie et faire connaître ses observations en les consignant dans le registre ouvert à cet effet. Une demande d'examen au cas par cas sur le projet de modification numéro 4 du PLU a été transmise à l'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle a décidé le 25 avril 2023 de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. Le projet de modification numéro 4 du PLU a été transmis pour avis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDEPNA, et aux personnes publiques associées, puis porté à l'enquête publique du 12 juin à 17 juillet 2023, inclus un mois avec un enquêteur. Monsieur le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable, sans remarque, au projet de modification numéro 4 du PLU de publier dans son rapport et ses conclusions motivées le 11 août 2023. Assorti d'aucune réserve ni recommandation. Toutefois, il est précisé que les avis émis par la direction départementale des territoires et de la CDPENAF nécessitent d'apporter les modifications suivantes au dossier de modification du PLU en vue de son approbation. C'est un règlement écrit. Pour le STECAL, Pousse d'Avenir, il est précisé que l'action de vente se limite aux produits agricoles locaux et que le local de vente au sein de la nouvelle construction présente bien un caractère accessoire à l'activité agricole du site, tel qu'attendu par le SCOT du Chablais. Pour la règle des 30% de logements sociaux, le seuil de déclenchement de 550 m² de surface de plancher est maintenu, en plus de celui des 8 logements. Dans le secteur NTC, c'est-à-dire les campings, est supprimée la possibilité de construire des logements en fonction d'une surface maximale de 80 m², étant donné l'existence de zonages U pouvant être mobilisés à cet effet dans l'enceinte des campings de la commune. Par ailleurs, à la demande de la Chambre des métiers d'artisanat, est supprimée la possibilité d'implantation de commerce à proximité
dans les zones à vocation résidentielle. Enfin, dans le cadre de la mise à jour des emplacements réservés, est ajoutée la modification de l'emprise de mon emplacement réservé numéro 8, portant sur l'extension du centre technique municipal, afin de ne pas empêcher les velléités d'extension de l'entreprise SEMSET, ça se trouve dans la plaine d'Amphion, sans pour autant que cela ne compromette le projet communal. La notice de présentation et les documents graphiques sont également modifiés afin d'apporter les corrections et adaptations induites par les modifications apportées au dispositif réglementaire. Donc, cette proposition est soumise à la délibération du Conseil municipal. Monsieur le maire, et si vous avez des questions. Jean-Marc. Oui, est-ce qu'on peut avoir l'information sur les modifications qui ont été apportées sur les emplacements réservés? Alors, je vais passer la parole à notre super technicien, Yves Taffin, qui se trouve là-bas dans le fond, qui va te donner tous les détails. Oui, bonsoir. Écoute, Jean-Marc, au niveau des emplacements réservés, il n'y a pas beaucoup de modifications puisqu'on a simplement régularisé une situation qui s'est imposée de fait avec d'une part la suppression d'un emplacement réservé qui était prévu sur les terrains Route de la Grance appartenant précédemment à la famille Gorin, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel un bâtiment artisanal est en cours de construction. Donc la commune avait renoncé à cet emplacement réservé il y a déjà quelques temps, c'est simplement régulariser cette situation en supprimant un emplacement réservé qui n'a plus d'être. Et le second, c'est un petit peu le même principe, il y avait un emplacement réservé du côté de la cité de l'eau, dont je ne sais plus quel était l'objet, toute franchise, là où la CCPA a planté un verger. Et le troisième, c'est celui que Georges Barthes expliquait à l'instant. On a légèrement modifié l'emprise de l'emplacement réservé qui relevait une partie du foncier de l'entreprise SEMSET, puisqu'ils ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de s'agrandir et que, en raison de cet emplacement réservé, et bien, toute vérité d'extension était impossible. Donc on a vu comment faire pour permettre leur extension tout en ne compromettant pas l'objet de cet emplacement réservé qui, comme le disait Jean Dupart, est l'extension du centre technique municipal. Voilà, et pas plus de points. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je me réjouis, encore une fois, j'ai déjà dit que pour vos avenirs, on ait enfin l'opportunité de pouvoir délivrer un permis de construire qui ne soit pas attaquable en justice administrative. S'il n'y a pas d'autres questions, de remarques, je vais donc soumettre au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je donne tout de suite la parole à Éric Hédon pour les travaux, convention d'autorisation de voirie, financement d'entretien, aménagement, sécurisation de la rue de la Rive. À ce programme. Tout à fait. C'est ce que je vous ai parlé au début. En fait, c'est le PUP. Donc, le projet urbain partenarial a été signé avec la société Edelis en 2019 dans le cadre de la réalisation d'un ensemble résidentiel de 42 logements à Mule de la Rive, pour laquelle la commune de Publier s'est engagée à l'époque à créer des équipements publics nécessaires aux besoins de cette construction. Un îlot central empêchant le tournée gauche, une mise aux normes de l'arrêt de bus et la création d'un point d'apport volontaire de déchets. Afin de renforcer en fait cette entrée de commune, on a repris l'étude dès l'année 2022 pour rajouter des plateaux ralentisseurs et la mise à norme des arrêts de bus et surtout la réduction de largeur des chaussées. Tout en sachant que maintenant, tout projet de voirie sur la commune, la mobilité douce est très importante pour nous. Donc aussi, on a recalibré aussi le projet en prévoyant des pistes cyclables. Pour ce projet, il y a trois tranches. Il y a une tranche ferme, aujourd'hui donc le PUP, au droit du carrefour avec l'avenue de la Plaine, la tranche ouest, depuis la rue des Fourches
vers le carrefour avec la rue de la Plaine, c'est-à-dire direction Cora, et enfin la tranche est de la rue de la Plaine vers le giratoire de l'assurance. Dans un moyen terme, c'est-à-dire avec le collège, on espère au prochain mandat à finir toute la sécurité, de sécuriser toute cette avenue. À cette fin, il convient de conclure une convention avec le département afin de définir les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser et son financement, déterminer la maîtrise d'ouvrage et répartir les charges d'entretien et d'exploitation lors de la mise en service. La maîtrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par la commune de Puvillers. L'opération d'aménagement de la tranche ferme prévoit la réalisation des travaux suivants. Donc, calibrage de la chaussée à 6 mètres. Donc on réduit la chaussée à 6 mètres pour réduire la vitesse, comme il s'est passé vers les travaux des quais qu'on a fait actuellement. Changement de régime de priorité au carrefour, la route départementale 1005, alors et la fourche, aujourd'hui c'est un CD passage, on va mettre un stop. Aménagement d'un plateau surélevé, donc rue de la Plaine, route départementale 1005, donc ça fait un plateau surélevé pour réduire fortement la vitesse quand les voitures descendent le pont de la Botte. Création d'un point d'un apport volontaire de 5 conteneurs avec arrêt minute et encoche. Donc le coût prévisionnel de la tranche ferme s'élève à 474 755 euros hors taxe, soit 569 000 euros TTC. La commune a sa charge 453 813 000 euros et le département finance à hauteur de 115 000 euros. Voilà, si vous avez des questions sur ce projet important pour la commune, je vous écoute. Juste quelques questions. Actuellement, la largeur de la route, c'est 7 mètres. Ouais, hein, j'ai regardé la loi, c'est 3,50 mètres de chaque côté. Il y a quand même beaucoup de camions qui passent. Alors, je sais que cet îlot central est important pour sécuriser, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de problème pour... OK. Vas-y, pardon. Oui, en effet, tous ces projets, ça fait déjà plus d'un an qu'on est en discussion avec le département. Les 6 mètres sont autorisés dans les zones d'agglos où il y a une forte concentration d'habitants. On a pu voir, par exemple, vers la rive, on a réduit la chaussée, on peut voir que tout de suite, il y a un effet où les voitures ralentissent. Et ça, c'est important pour nous. Surtout aussi, c'est qu'il y a aussi le ralentisseur, le plateau surélevé. Et ça, voilà, plateau surélevé. Plus réduire la chaussée. Ce qui nous permet aussi de réduire la chaussée, c'est très important, c'est faire tous les aménagements autour. Parce que si je ne réduis pas la chaussée, on ne peut pas faire les pistes cyclables. Voilà, les trottoirs. Une autre question. Quand on sort de la route des Fourches, vous allez mettre un stop. Déjà, avec un laissé de passage, c'est compliqué avec un stop. Vous pensez qu'il y aurait une fluidité à ce niveau-là? C'est pas une histoire de fluidité, la Fourche. Si, parce que. Non, en fait, c'est une question de sécurité parce que, en fait, si il y a un risque, exemple, accidentogène sur la route de la Fourche, que les gens, en fait, ils regardent, ils croient qu'ils ont le temps, et voilà. Et surtout qu'il y aura le plateau surélevé qui risque de ralentir la vitesse, et on ne veut pas qu'il y a voilà, cet effet d'empilement de voitures. Donc, le stop va permettre de vraiment les gens de stopper et de regarder à gauche et voir s'il y a une file qui arrive avec le plateau surélevé. Il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, j'espère. Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, mais... Alors, si je peux juste vous dire quelque chose. Oui, certes, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. Heureusement. Heureusement, ce n'est pas le but qu'il y a des accidents. On n'attend pas un accident pour faire des aménagements. Aujourd'hui, cette route départementale, il y a plus de 20 000 véhicules par jour. Il y a des poids lourds. C'est une route à trafic international. Et vu les constructions qui se passent sur Evian, tout le trafic passe sur la commune de Puvillers. Aujourd'hui, pour nous, avec en plus... le projet immobilier qui se construit et les futurs projets qui vont arriver sur cette route départementale, on s'oblige à sécuriser cette route départementale. Surtout que la rue de la Plaine, pour nous, c'est un axe important pour justement faire les mobilités douces entre le chef-lieu et la cité de l'eau pour rejoindre l'environnement. Donc voilà, c'est tout un ensemble qu'on veut protéger. On aurait aimé avoir un plan. Parce que c'est avec un plan, il n'y aurait peut-être pas forcément ces questions, parce qu'il y aurait une... sur ce plan, où est-ce que vous allez mettre ce coussin lyonnais?
Le Berlinois, c'est les Lyonnais. Et les Lyonnais, j'ai eu un cours par M. Guédon, je tiens à ce que les termes soient bien expliqués. Si je peux répondre. Les coussins lyonnais sont actuellement, vont être changés à partir de mois d'octobre, c'est petit pissinge, gros pissinge. Là, c'est un plateau surélevé. En fait, ça s'appelle exactement une virgule. Parce que, c'est des termes très compliqués. Vous savez. Vu que c'était une route à fort trafic, il y a une réglementation avec les poids lourds, avec le bruit pour les habitants. Parce que si on met des trop gros dodanes, plus personne ne va dormir dans cette zone, donc c'est pas le but du tout. Donc c'est juste un plateau, une virgule surélevée pour limiter la vitesse à 50 km/h pour dire aux voitures qui descendent le pont de la Botte qu'ils arrivent dans une zone d'agglo et attention, il y a des piétons, il y a des vélos et il y a la future piste 4, il y a le collège. Voilà, c'est tout ça qu'on veut protéger. Alors est-ce que devant l'école publiée, c'est quoi ? Une virgule ou un coussin lyonnais ? Ah, grand débat de ce plateau. C'est une virgule. Alors, c'est pas une virgule. Une virgule, c'est à 50 km/h. Donc là, c'est un plateau limité à 30 km/h. Vous avez pu voir qu'on a eu du mal à le faire. Eurovia s'est pris à trois fois. C'est pas la première fois, je vous rassure. Eurovia a un peu de mal. Disons que je ne critique pas cette entreprise, quoi. Nous sommes partenaires. Mais donc, le responsable du chantier, puis voilà, avec les agents, ils ont dû reprendre plusieurs fois ce plateau. Je vous rassure, l'argent de la commune a payé une fois le plateau. Jamais trois fois. On a eu le même souci avec le plateau surélevé de la Cité de l'eau, ils ont mis trois fois pour le refaire. Voilà. Vous leur achetez des lasers. Alors je te remercie parce que du coup j'ai compris et je pense bien que vous n'avez pas payé trois fois, c'est une question logique. Voilà. Oui, mais j'ai eu cette question de plusieurs habitants. Vu que c'est filmé, j'en profite. Mais je suis aussi. Maintenant, dans ce qu'a exprimé Elisabeth aussi sur. La largeur de la chaussée et le trafic poids lourd, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'aujourd'hui, on a connu la Nationale 5 lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, aujourd'hui c'est la 2005, et dans quelques années, c'est une avenue urbaine, et c'est plus du tout calibré pour un axe international. Et ce débat, il faudrait qu'on l'ait sérieusement, il faudra bien trouver un jour quelle est la voie qui va desservir la Suisse, autrement que cette... internationale qui n'en est plus une déjà aujourd'hui. Et il faudra se poser quand même des vraies questions d'aménagement du territoire. Bon, on revient 50 ans en arrière, quoi. Voilà. Merci. Oui, allez-y. Oui, je vais revenir sur la réflexion, effectivement, de la RDN 5 sur le côté rive, avenue de la Rive. L'aménagement de la route a été fait en juillet. Sauf qu'on n'a pas remis le passage protégé au droit des arrêts de bus. Et la route s'arrête là. Donc on aurait pu le remettre, puisqu'il était à ce niveau-là. Et il y a des gamins qui empruntent tous les jours, et ils traversent là, il n'y a pas de passage protégé. Excusez-moi, il y a une mouche qui me passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait un poteau Orange Télécom qui était encore à proximité de ce passage piéton. Et donc, on attendait l'accord du prestataire, donc Orange, pour enlever ce poteau. Tu as pu voir qu'il est enlevé actuellement. Donc, ce qui va nous permettre enfin de faire le béton désactivé. Là, il y a encore un poteau encore à enlever. Et là, on va pouvoir refaire ce passage piéton pour l'arrêt de bus. Voilà. Point de vue sécurité, on ne voulait pas faire les travaux. Puis avec la proximité, il y avait un petit détour pour les piétons, mais... Ceci, tout va être mis en ordre. Donc là, vous avez pu voir, j'en profite, faire de la pub pour nos travaux quand même. La passerelle a été mise en place, donc vous avez pu voir, les travaux sont en train de se finaliser sur les quais. Dès la semaine prochaine, normalement, on fait le béton désactivé. À la fin du mois, il y aura les garde-corps qui vont être faits. Aujourd'hui, normalement, il y avait les fosses pour les arbres, donc il y a trois grands arbres à tiges qui vont être plantés, voilà, pour faire de l'ombre pour ce projet. Donc, on va dire que mi-octobre, on va pouvoir se promener tous ensemble et prendre l'apéro sur ce nouvel endroit. Si nous invite. Ah ben c'est le voisin qui habite. Ah bon. C'est vrai. Et oui. Oui, Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Oui, je voulais poser une question sur le PUP. En 2019, il semblait que le PUP qui avait été visité, donc une certaine
Il y a une limite, une limitation du début et puis de la fin. Là, je comprends qu'avec cette délibération, le PUP est agrandi. Agrandi, réduit, agrandi. En fait, voilà, quand on a repris le projet avec les services techniques, nous, on était plus ambitieux en fait, sur ce PUP pour prévoir les mobilités douces. Donc, on avait un programme plus ambitieux. Malheureusement ou pas, il y a le collège qui arrive dans ce programme. Donc, nous, on a dû revoir le projet du PUP. Et donc, on a revu à la baisse et on revient un peu ce qui a été... Voilà, l'emprise, bah, on ne peut pas aller jusqu'à l'entrée du collège pour ne pas faire des travaux pour casser dans 3 ans. C'est pas le but, mais voilà. C'est quand même une somme importante. Donc, c'est pour ça que le projet a plusieurs fois modifié. Mais si, voilà, on pourra vous envoyer les plans, comme ça, ce sera beaucoup plus lisible, parce qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible si je parle comme ça. Mais alors, il y a la commission de travaux. Il y a quelqu'un de votre équipe, hein, qui a vu le projet, il y a toute la commission de travaux qui l'a validé. Il y a le département, il y a plusieurs dessus. Vous allez être content. Alors, on a un collègue qui siège, mais il ne s'est pas dessiné. Du coup, ça serait bien de nous fournir. Si non, non, mais je suis confondu. Ou alors, on lui fait une formation en dessinateur. Il n'y a pas de problème. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vous remercie pour ce débat, parce que c'est même un chantier qui est très important, qui est emblématique aussi, qui n'est pas si évident, hein, c'est compliqué. Donc, la cause ça a pas mal tourné. Bon, là, on y voit plus clair. Il y a le collège qui se rajoute. Il faut bien intégrer tout ça. Donc, je vous propose de passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe à la dernière délibération qui va être présentée par Georges Barthes sur donc, la mise en vente de 11 appartements rue des Châtaigniers par le bailleur social Saint-Codard. Bien. Les motifs. Les organismes d'habitation à loyer modéré ont la possibilité de vendre des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans. La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Et elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de notre commune. Les ventes de logements locatifs sociaux ne sont pas contradictoires avec les obligations de l'article 55 de la loi SRU, qui impose un minimum de 25% de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants. En effet, il apparaît que la vente de ces logements permet de renforcer les fonds propres des bailleurs et de développer, par réinvestissement de ces fonds, un parc social plus moderne, plus adapté à la réalité des ménages. Par ailleurs, cela permet aux locataires des logements sociaux d'accéder à la propriété à des conditions avantageuses. Il est précisé que, si elle n'a pas atteint le taux de logement social fixé par la loi SRU, ou si cette vente ne lui permet plus de l'atteindre, une commune peut s'y opposer. Or, au dernier recensement publié, comptabilise désormais 27,17% de logements sociaux, c'est-à-dire nettement au-dessus des 25% requis. Il est également précisé que la loi Élan a allongé de 5 à 10 ans la durée de prise en compte dans l'inventaire SRU des logements vendus à leurs locataires afin de ne pas pénaliser les communes et de leur laisser le temps de la reconstitution du parc vendu. C'est dans ce cadre que la SEMCODA a sollicité l'avis de la commune de Bublié sur le principe de la mise en vente de 11 appartements 684 rue des Châtaigniers, en précisant que l'offre de vente est faite en priorité aux locataires en place et que ceux qui le souhaitent, qui ne souhaiteraient pas acquérir, resteraient locataires aux conditions actuelles. Et donc, on demandait au conseil municipal de se prononcer sur le principe pour l'acceptation de la mise en vente de ces logements. Des commentaires, des questions? Commentaires, pas de questions? On passe à combien de droits? C'est encore un jeu. Alors là, je n'ai pas calculé pour ça, mais on est largement au-dessus de. 11 logements sur la quantité de logements sociaux, on est encore dans les 27%, je pense. Oui, oui, oui. On donnera peut-être des chiffres précis, mais. Peut-être qu'on prend les chiffres. On n'a pas d'inquiétude sur ce sujet. Sur le CAIR qui est bien les chiffres, on va vous le dire.
Il se fera plaisir, James. Alors, compte tenu de la sortie des nouveaux logements sociaux, ne baissons pas. Oui. Et d'autre part, nous sommes rentrés dans une phase un peu particulière où l'exigence vis-à-vis de nous a été réduite. Donc, on a une marge de manœuvre de plus de 7 points, mais on est très large. On est très, très large. On peut se permettre, contrairement à ce qu'on a refusé il y a 2 ans, je crois, d'accepter cette opération au bénéfice des locataires chez nous. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc avec cette dernière délibération, on prend fin ce conseil. Je répondrai à 2 questions diverses qui nous ont été posées. L'une par Brigitte Perrault. Donc Brigitte Perrault souhaitait obtenir des éclaircissements concernant la plage pour chiens. C'est un bon sujet. En effet, un certain nombre de personnes ont rencontré des difficultés concernant les informations sur Facebook, ainsi que par le balisage du périmètre alloué aux chiens. Serait-il possible de nous informer sur le futur périmètre qui sera mis en place pour l'été 2024 après cette expérimentation? Donc, on va y répondre. Bon, d'abord, pourquoi a-t-on fait le choix d'ouvrir un espace pour les chiens, pour que les chiens puissent aller à l'eau? C'est parce qu'on, d'abord, qu'on a rien contre les chiens, au contraire, bien au contraire, hein, et qu'on veut que ne pas avoir de conflit de voisinage ou de conflit individuel sur les chiens, leur endroit où ils peuvent accéder au lac, de façon à ce qu'on fasse un accès au lac dans les conditions sanitaires, hygiéniques qui s'imposent. Je rappelle que c'est une expérimentation qui est en vigueur pendant la période estivale. Je rappelle aussi que la réglementation pour les chiens est aujourd'hui claire et précise, c'est qu'en dehors de cette zone d'activité nautique pour les chiens l'été, où là ils peuvent être en liberté, sur le reste de l'espace littoral, les chiens sont tenus en laisse par leurs propriétaires. On compte sur le civisme des propriétaires pour surveiller, gérer leurs chiens, bien sûr. Et puis, on a fait une belle campagne sur les crottes. On constate qu'on dispose encore d'une marge de progrès non négligeable dans le comportement individuel des chiens. Les chiens sont rarement en cause, hein, c'est souvent les maîtres. Et là, on a découvert deux populations à l'occasion de ce sujet qui a bien occupé la presse, un peu à notre surprise d'ailleurs, y compris nationale. On s'aperçoit que dans les propriétaires de chiens et les non-propriétaires de chiens, on a les mêmes comportements qu'on peut quelquefois déplorer. Je pense qu'il faut sortir un petit peu des égoïsmes. On est quand même dans une commune où je pense que l'environnement est largement préservé, que la qualité de vie est largement préservée, et que je pense que tout le monde doit faire un effort pour préserver sa situation, mais cohabiter de la meilleure façon possible. Alors cette expérimentation, on avait débuté sur un projet de plage qui ne s'est pas révélé pertinent. Donc, je ne sais plus qui m'a proposé cette plage, mais ce n'était pas forcément là. En tout état de cause, on s'est bien rendu compte que ça soulevait des problèmes. Et que donc, j'ai pris la décision de reprendre un nouvel arrêté en un week-end, hein, pour proposer une alternative et avoir un complément d'expérimentation dès cette année. Je pense que la deuxième emprise qui a été proposée par Éric Guédon était plus pertinente. Bon, elle offre davantage de capacité. Et puis bientôt, elle sera reliée au quai. Donc, on va tirer l'enseignement. On ne les a pas encore complètement tirés. Hein, mais je pense qu'on repartira en tout cas sur une période estivale expérimentale en 2024 pour le valider définitivement. Moi, je suis partisan d'avoir cet espace. Je considère que je peux imposer une réglementation contraignante aux propriétaires de chiens, mais il faut leur offrir aussi des alternatives. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont un espace, ils n'ont pas laissé les chiens divaguer à l'eau ailleurs. Après, il faut reconnaître que ça n'a rien d'agréable pour des baigneurs à la plage d'avoir des chiens qui viennent s'ébrouer sur eux. Et puis, on l'a vu, on a la chance d'avoir une très belle association de sauvetage canin qui nous fait d'ailleurs des actions pédagogiques. Donc on frappait encore elle pour sensibiliser le propriétaire de chien à cette cohabitation et faire en sorte que ce ne soit pas nos animaux à quatre pattes qui subissent
les désagréments des animaux à deux pattes que nous sommes. Ça, c'était la première question. La seconde question par Jean-Marc Dagan sur l'installation du cirque. Quel montant la commune a perçu sur cette occupation du domaine public? Donc, on a appliqué les tarifs qui ont été votés à l'unanimité lors du conseil municipal du 27 juin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait cette délibération. Soit donc 100 € la journée. Et on a retenu le principe qu'on facturait les journées d'activité réelle du cirque. Bon, je rappelle que c'est un petit cirque. Donc, les conditions de leur exercice n'ont pas été très très simples avec la canicule. Donc, c'est vrai que pendant la canicule, les gens avaient un peu de réticence à aller se mettre sous une grande tente, bien sûr. Mais on a vraiment eu affaire à une famille qui est très très bien. On a pris le parti après les désagréments qu'on avait connus l'an dernier et que d'autres communes connaissent. Hein. Je rappelle que le cirque Zabata a fait le même cirque, si je puis dire, à Annecy, tout l'été. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème sur cette profession. Moi, j'ai eu des contacts avec le responsable des cirques auprès de M. Darmanin. Donc on a bien expliqué que ce n'était pas une question d'être cirque ou anti-cirque. Au contraire, il faut défendre ses métiers, hein, mais il faut aussi qu'on ait face à nous des gens qui ne se comportent pas comme des voyous. Donc, ce qui était le cas l'année dernière. Donc, l'avantage de cette première prestation, c'est qu'elle s'appuie sur une convention triennale. Donc, le cirque de Vérone est abonné pour 3 ans, billet au mois d'août. Ça vous évite d'en avoir d'autres. On a 2 autres sollicitations. Donc, pourquoi pas, il y aura un cirque de printemps, mais du même format à peu près. Donc, s'il accepte les mêmes conditions, parce qu'on a fait donc un état des lieux très, très précis, très rigoureux, encore une fois, cette famille a été exemplaire. Hein. Et tout le monde a d'ailleurs remarqué, hein, l'état des lieux a été fait en sortant. Ils ont procédé à une désinfection avec du savon liquide écologique, avec de l'eau. Les affiches ont été posées, on avait le nombre d'affiches, le diamètre. Donc tout ça a été rendu en très bon état, donc ça augure bien de ce partenariat, et je pense qu'on partira sur la même chose pour un cirque de printemps. Et pas plus tard que cet après-midi, j'avais un autre cirque, le cirque de printemps s'appelle le Star Circus, donc on reste toujours dans le même format de cirque. Hein. Là, cet après-midi, j'avais une autre question, une autre demande pour un cirque, mais toujours au mois d'août, et là j'aurais dit non, puisqu'on est en convention, mais... C'est un cirque qui, avec des personnages géants de la Patte Patrouille. Pour tous ceux qui sont grands-parents, la Patte Patrouille, c'est sacré, quoi. Donc, je pense que ça serait une bonne animation. On va les contacter pour leur dire est-ce que vous pourriez pas venir plutôt en juillet. Voilà. Ce qui ferait une animation estivale continue. Parce que là encore, on a eu la chance cet été d'avoir une reprise des animations avec la guinguette du 13 juillet avec la carte Guermarque. Bien marché. La fête des caisses se réinstalle maintenant et ça marche bien. Le cirque, donc si on avait un deuxième cirque, on tient tout le créneau. Voilà pour ces réponses aux questions. J'en profite pour vous dire que jeudi à 19h, nous avons une fan zone. Donc vous êtes tous cordialement invités. On se retrouvera à 19h. Bon, on joue contre qui là, c'est pas... Nanibi. On n'est pas à l'abri d'une. Bon. Vendons pour la course. On a essayé d'avoir. On aurait bien aimé avoir la Nouvelle-Zélande, mais je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas accordé à nous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres. Jean-Marc. Donc je n'ai pas la réponse à ma question. Si, alors si, oui, tu as raison. Alors, 100 € par 20 jours ouvrés, ça fait 2 000 €. Voilà. Merci. Bien. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci.